involved in this celebration. Members of the clergy, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening to you all. My name is Dr. Miolan Cleozier, and I am very honored and privileged to be the mistress of ceremonies for tonight's celebration. Tonight we honor a great man. A great man who dedicated his life to serving God and his community. And of course, the Haitian community. Without further ado, please stand up for we're about to welcome His Excellency into the room. Give him a rousing ovation to His Most Reverend Guy Sansaricq. Please, good moon, santé, dans son beau bravo chaleureux pour son excellence, Guy Sansaricq. His Excellency is accompanied by some members of the St. Bridget's Parish. We have Sister Cecilia Duchesne, Dr. Michine Gold, Mrs. Carmel Manger, and Attorney Marc Jolie. As you face the flags, both flags, the American flag and the Haitian flag, as we have Maggie Limache to join me up on stage to sing both national anthems. We're gonna do the La Dessalinienne first. Nous va chanter l'hymne national tous les deux pays. On a commencé avec La Dessalinienne. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons ce maître, marchons. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons.
Maggie is also going to sing the Star Spangled Banner. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed as the twilight lies gleaming, whose bright stars and bright stars through the perilous fight, oh, the rampage we watched was so gallantly streaming, and Margaret Franklin, double bursting and gave hope to the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land and on the sea, on the I now would like to ask Reverend Father Moise Emi to come up for the opening prayer. We ask you to stand up. Après, les vous petit camper pour prier, ok? Un petit camper, stand. Nous venons notre Father, notre Son, notre Holy Spirit. Amen. We ask God to bless our gathering tonight and to bless all those who are gathered here. Most importantly, we ask to bless Monsieur Bishop Sansaricq, all the priests and the communities, and most importantly, also, I would say to bless the ministry of the Asian ministry in the United States. Après, on a béni ministre haïtien en États-Unis. Bien sûr, avec le président de l'Union, tout le monde qui travaille avec lui, tout le pays, tout le monde, toute la région, c'est pour les parents de la région âgée, les bishops qui pratiquent en deux, nous parlons de ça, qui avaient responsable travail dans l'église. Et c'est au nom des apostoles haïtiens que nous rassemblons à ce réagir-là. Donc, pour nous, les bons, tout le monde, grâce au nom, des grâces au Seigneur. Pour diriger nous, pour guider nous, pour inspirer nous, pour donner l'Esprit Saint, pour nous faire bon travail, parce que nous avons fini, pour nous guider d'être ensemble, parce que vous proposez à ça. Donc, pour bon Dieu bénir tout le monde qui a dirigé le pays, pour bénir la famille, nous, pour bénir la communauté, nous, et pour vous dégager toute la vérité, pour laisser la possibilité de notre Père en français et en anglais. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne de ta puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. God, we ask you to bless us, to bless everybody gathered here, to continue to bless our ministry, to bless our families, to bless all of us,
and to keep all of us for your glory. And then when we say that, we think about Haiti and those who give us roots to be where we are today, to continue to be united and to work for your glory. We ask this in the name of Jesus, the Lord, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Que papa béni nous, tout qui est béni, papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Thank you, Reverend Father, for using me. And now we're going to have a welcoming message for the bishop and our guests by the Reverend Father Nissi Jean-Jacques. Father Nissi Jean-Jacques is the spiritual leader here in Westbury, St. Bridget's Church, and he's been there for 5 years. Give him a round of applause, please. Chers confrères dans le sacerdoce, religieux, religieuses, distingués invités et autorités venues de partout, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom de la grande famille catholique de Long Island, je vous salue tous et vous souhaite la plus cordiale bienvenue. L'événement qui nous rassemble ce soir est une singularité particulière. Nous célébrons l'anniversaire d'un grand frère, d'un père, d'un ami, d'un bishop que nous aimons tous. Il fait honneur à notre race et à notre peuple. Oui, chers amis, nous honorons aujourd'hui un frère, un ami, un père d'une simplicité remarquable et d'une grande dame hors pair. Il a toujours été animé par une motivation profonde dans la défense des causes des plus petits, à défendre le peuple haïtien ici et ailleurs. Il a toujours été et demeure notre plaidoyer à chaque fois qu'on voulait nous piétiner, nous insulter et nous opprimer. Oui, chers amis, nous honorons un grand frère, un ami, un père, très fier de sa race, de sa culture et de sa langue. Il encourageait les jeunes des familles haïtiennes de la diaspora à faire bon usage des opportunités qu'ils bénéficient ici et ailleurs pour pouvoir bien se former et nous représenter valablement, tant par le savoir-être et le savoir-faire. Il a été toujours à la recherche des figures de marque de notre race éparpillées à travers le monde. Il ne les a jamais cachées, son appréciation et sa fierté. Il les encourageait toujours de continuer à aller de l'avant. Ce frère, cet ami, ce père, il témoignait en tout temps sa foi ardente en un Dieu un et trine. Il était toujours actif à Haïtien, hein? Bon Dieu ça a, la plaie, loin pays, loin. Lisez bon Dieu, Père Haïtien, même. Ce frère, cet ami,
prônait une dévotion à la Vierge pure et sans mélange. L'idée toujours à encourager comme haïtien, pour dire, compatriotes, frères et sœurs, ces petites maman Marie Mouillet, avec maman Marie, bon côté nous, n'ont pas perdu bataille. Il n'a jamais cessé de prier pour les vocations haïtiennes de la diaspora. Il encourageait les jeunes à aller à l'église, à s'engager dans l'église et à être ouvert à l'appel du Seigneur. Il promouvait un clergé haïtien de la diaspora. Il supportait, il les supportait. Il jouait aussi le rôle de facilitateur dans l'intégration des frères haïtiens au sein de nos communautés haïtiennes. Des fois, où père haïtien est capable de continuer à célébrer, écouter, comprendre, vivre parole de Dieu et dans l'un moment la parole, dans une liturgie qui est organisée. Cette figure de marque dont je vous parle répond au nom de Guy Sansaricq, père Guy ou le plus commun des mortels. Oui, chers amis, c'est lui que nous célébrons, que nous honorons ce soir. Mes chers amis, faire la fête tous ensemble, se réjouir et rendre grâce, cela a de l'importance, parce que celui que nous honorons ce soir est d'une grande importance pour nous. Bishop Guy, notre présence ce soir à vos côtés témoigne de notre affectivité, respect et amour, reconnaissance et gratitude à votre égard. Cher Guy, sachez-le donc, nous sommes fiers de vous. C'est pour mon Dieu, vider les bénédictions sous vous. Oui, nous sommes fiers de vous, Père. Nous en sommes fiers de vous. C'est pour mon Dieu, vider les bénédictions sous vous. Et puis, faire vivre, il y a l'autre 84 années encore. Donc, mes très chers amis, je vous invite à lever vos verres, lavez-les et buvez à la santé de notre cher bishop Guy Sansaricq. Merci. What a great speech from the Reverend Father Leslie Jean-Jacques. Just for a quick minute, I would like to acknowledge some people in the room, especially the members of the clergy. With us tonight, we have the Reverend Father Leslie Jean-Jacques, of course, from Westbury. The Reverend Father Moïse Aimé from Wyandinch. Reverend Father Eden Jean-Baptiste from both St. Martha in Elmont and St. Boniface in Unendale. I might have mixed them up, but both parishes are represented. That's what matters.
Reverend Father Woody Fabian, also from Westbury. Last but not least, my priest, the Reverend Father Charles Bungodi from my parish in St. Alvin, Brentwood. We also would like to acknowledge Sister Cecilia Duchenne, who is also here from Westbury. She's at the table. Give her a round of applause, please. That's about it. Just a reminder that tonight's event is sponsored by Radio Tele Solidarité and the Haitian community of Long Island. Just to let you know that the celebration of this is because of Radio Tele Solidarité with my community Haitian in Long Island. We're not just going to keep talking tonight. We're also going to entertain you. To start the event with a great performance with the youth from St. Bridget. They are going to have a dance performance with a song titled Aye Davido. Please put your hands together for the youth from St. Bridget.
To ask the Reverend Father Eden Jean-Baptiste to come up. Yes? Pour nous avons invité Reverend Père Jean-Baptiste pour dire deux trois mots. Bonsoir tout le monde. Alors, demandez pour me dire quelque chose pour Monseigneur Guy. Alors, simplifiez d'abord, pas dire merci. C'est notre Père haïtien, nous là, parce qu'il fait travail pour que reconnaître une communauté haïtienne dans les États-Unis. Et dans le rôle, il servit nous comme modèle, il servit nous comme exemple. Il servit nous comme encouragement. Il servit nous dans un moment difficile où nous prenons espoir. On dit si lui-même ne va camper, il va camper tout. Nous certifions la personnalité sur trois bagages. Le premier bagage, c'est sincérité. Il ne va pas promettre tout ça, il va pas faire. Il est très sincère dans la parole. Le deuxième, là, c'est l'humilité. C'est un évêque ou pas besoin d'être excellent. Alors que moi, quand il y a des gens qui simplement m'enseignent, si vous parlez de conseil à sous, ah, il y a un cas, c'est tel. Donc, l'humilité lui permet qu'il y ait contact à tout fait, sans nous pas sentir les plus hauts passés. C'est un dans nous. Il s'est un parmi nous, en même temps, il s'est grand frère, et puis il a gardé devant. Avec simplicité, avec humilité, ils sont un monde qui est saint. Donc, sincérité, humilité et simplicité. Si nous, chaque, nous gardons dans Jean présenté, sa sœur dans la Bible, ça va permettre nous-mêmes tout, nous vivre sans orgueil, sans gâchir, tout simplement pour nous tourner. Thank you, Reverend Father Eden Jean-Baptiste.
Right now I'd like to call the Reverend Father Charles Mokwezi from St. Anne in Brentwood to give a speech titled Homage and Gratitude to our Monsignor. Ma invité le Reverend Pierre Charles Mokwezi de St. Anne Brentwood pour venir pour un discours qui titré Hommage. Hommage et gratitude. I couldn't find the cruel gratitude à Monseigneur Sansaricq. Moi c'est quatrième prêtre qui parle là. Probablement il y a quelques monde qui a dit côté chant. Je lui ai dit non, si je ne parle pas à ce point-là, je ne parle pas. Mon intervention s'intitule Hommage et gratitude à Monseigneur Guy Sansaricq. Excellence, Monseigneur, très cher Père, révérateurs, auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télé Solidarité, chers invités et amis, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? C'est par ce mot tiré du psaume 115. Verset 12, que je voudrais avec vous rendre grâce au Seigneur notre Dieu pour le grand cadeau qu'il nous a fait de la création et aussi de notre Église en la personne de Monseigneur Guy Sansaricq. Ce soir, sous le regard des premiers disciples et de la Vierge Marie, j'ai le signe honneur de vous présenter quelqu'un qui a su entendre dans sa vie ces paroles de Jésus et qui les a fait siennes. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. L'amour est ce sur quoi nous serons jugés, nous dit la Sainte Écriture. Jésus est radical. Il donne tout et demande tout. Jésus ne se contente pas de pourcentage d'amour. Quand on regarde la personnalité de celui que nous honorons ce soir, nous pouvons dire que c'est quelqu'un vraiment qui s'était donné. Et cela encore. Je voudrais exprimer ma gratitude personnelle, pour le support sans réserve que vous m'avez apporté dans un moment de crise profonde. Monseigneur, je me rappelle vous avoir vu pour la première fois dans une église à Brooklyn, où il y avait une messe en l'honneur de Notre-Dame d'Alta-Grâce. Vous étiez le célébrant et le ministre. À l'issue de cette Eucharistie, je vous ai approché et échangé un peu avec vous. Vous m'avez proposé une rencontre. J'avais répondu volontiers. Cette rencontre fraternelle allait avoir lieu 2 semaines plus tard. Je ne peux oublier ce lundi 4 février 2013. Vous avez dit, Charles, lorsque je t'ai vu pour la première fois, tu étais angoissé, troublé, traumatisé. Maintenant, je te trouve un peu détendu. Au terme de cette audience, je suis retourné chez moi avec le cœur léger,
car la vie en moi allait reprendre son cours. Je me souviens de votre prière finale, suivie de la bénédiction. Monseigneur, vous m'avez offert quelques ouvrages et une petite enveloppe. Vous avez dit, va en paix, tout va se passer, viens pour toi. Et de ton avenir non lointain, vous m'avez dit, Charles, il n'est pas bon comme prêtre de rester chez toi. Vous m'avez offert chez vous, au presbytère de Saint-Grégory de Grèce, une chambre. J'ai vécu avec vous pendant 8 mois. Monseigneur, personnellement, permettez-moi de vous dire, ce moment vécu avec vous furent les meilleurs jours de ma vie. Vous avez accepté de vous déranger pour me venir en aide. Et plus tard, après vous avoir laissé pour aller travailler ailleurs, vous étiez encore là. Lorsque je confrontais à des situations, à des difficultés, vous m'avez offert et continuez d'offrir votre appui pour m'aider à en sortir. De cette expérience en votre compagnie, je n'ai appris qu'une chose, l'essentiel pour moi, comment aimer davantage mon prochain et ne cesser jamais de faire le bien. Ce que j'ai toujours aimé chez vous, Monseigneur, c'est le travail en équipe. C'est cela l'Église, hommes et femmes, chacun enrichit l'autre. Et puis nous dit Jésus, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Un projet est toujours meilleur quand il naît d'une équipe, même si c'est parfois plus long, plus tortueux au départ. Et c'est ce que, grâce à vous, je me suis efforcé de développer à travers tous les ministères qui m'ont été confiés. Merci d'avoir été un pasteur selon le cœur de Dieu et désireux de bâtir son royaume de justice, de paix et d'amour, et de travailler à la sanctification de communautés chrétiennes vivant dans un réel souci de partenariat laïc-prêtre. Tout au long de votre ministère sacerdotal ou épiscopal, que d'âmes ont été touchées par le touchement de vos messages, que de prêtres en situation de crise ont été rétablis, que de familles de jeunes en difficulté ont pu se relever grâce à vos sages conseils et à vos précieux dons, que d'enfants ont pu bénéficier du pain de l'instruction, avoir accès à la santé et aux autres services. Vous êtes un homme simple, honnête, accueillant, compatissant, philanthrope, économique, ami du pauvre, des faibles et de la jeunesse, défenseur farouche des droits de l'homme. Pendant toute leur formation, le séminaire de diacre nous dit, le prêtre est l'homme pour les autres. Monseigneur, vous ne vous contentez pas d'être évêque uniquement pour les chrétiens catholiques, puisqu'on vous voit certaines fois de démange pour dire non à la barbarie, à la violence, mais ainsi défendre les sans-voix. Aussi, comme évêque, vous adhérez à cette pensée du fondateur de la défense des immigrants, à la personne le Père Jean-Baptiste Scalabri, qui a dit, quand les droits de l'homme sont menacés, il faut crier. Et aux pionniers du mouvement de théologie de la libération, Jésus est un Dieu libre et il veut la liberté pour tous ses enfants. Oui, nous sommes réunis ce soir pour dire merci, un merci mérité à Monseigneur Guy Sansaricq,
un homme qui se donne sans cesse au service et se consacre entièrement au service de son prochain. Et c'est ce qui vous a stimulé à choisir comme devise Servus Humilis ou l'homme servant. Ce concept extrait du récit de la requête des fils de Zébédée auprès de Jésus au sein de l'inauguration de son royaume, vous avez fait de lui l'objet prééminent de votre ministère. Pendant que ces derniers rêvent de domination, de supériorité, de prestige et d'honneur, Jésus leur reproche de renoncer à cette conduite et accepter de servir de la condition la plus humble qui soit. Ainsi, il leur dévoile le sens dernier de son existence et de sa mission. Monseigneur, vous avez fait de votre mieux pour vivre dans la vérité cette règle de vie. Nous en sommes fiers de vous. Mes chers amis, efforçons-nous comme lui de vivre de la concorde, l'amour, le respect, la solidarité, le pardon, et surtout de donner de bons exemples, de bons témoignages par des actions concrètes. C'est ainsi que nos communautés grandiront comme il l'a toujours souhaité. Comment rendre grâce au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Such a great event because Bishop just turned 84 years old on October 6th. So we are celebrating a lot of great milestones with our excellency. We have 58 years of priesthood, 47 of ministry in the Diocese of Brooklyn and Queens, and 12 of those as our auxiliary bishop. So please, that's a great achievement. I want to hear you applaud. I want to hear your applause. Come on. Je vais commencer tout là, nous parlons là qu'on est que célébration à soir, c'est une célébration qui involve, excusez-moi si ma fête est anglais, 58 ans depuis Son Excellence Stephen Pair, 47 ans depuis le ministère de la diocèse Brooklyn et Queensland, et 12 ans, 58 ans, ça, c'est l'évêque dans le même diocèse Brooklyn, côté servi dans Brooklyn avec Queens. So, ça, son gros bagage, on mérite applaudir et féliciter. For our next musical performance, we have two great gals. Their names are Janelle and Adrian Katav. They're going to perform for us a song titled Alleluia. Right after their performance, we're going to watch the main attraction for the evening, the documentary chronicling the life and achievement, success,
hardships of His Excellency. The title of the documentary is called A Premiere of the Calling. I'm asking, please, politely, as the documentary is playing, for everybody to try their best to remain silent. Also, use of cell phones, thank you, Dr. Dole, is prohibited during the movie playing. Ma mode tout moun ki nan sal la. Apre deux mademoiselles yon fin chante, nou pral rentre tout de suite la partie principale soirée an, kote nou pral jouer un documentaire sou la vie et tout sa bishop nan te passe nan ville. Nous parlons dans le documentaire, là, toute histoire la vie. Ma mande, s'il vous plaît, le documentaire là, joué pour tout le monde était dans le siège, pour ne pas parler et pour éviter d'utiliser le téléphone. Merci. And now, I would like to welcome Janelle and Adrian to the floor to sing Hallelujah. Sacred chord that David played, it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled composing. She tied you to her kitchen chair. She broke your broom and she cut your hair. And from your lips she drew a hallelujah. 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 Hallelujah.
give them another round of applause, please. Guys, I'm going to send you with your applause. Come on. Where's my assistant? Praise the Lord, everybody. Praise the Lord, everybody. Benny Swallows in there. So first, giving all the praise and all the glory and honor to God for this opportunity to be here before you to celebrate the life of our Bishop, he says, surely today is the day that the Lord has made, and we rejoice and we are glad for this opportunity to celebrate and praise God for his life. 84 years, God has blessed him with life. And to honor that, he has dedicated 58 years, 58 of those years in priesthood. So we have traveled from near and far in inclement weather, some of us because we have heard of his great works, and some of us because we are privileged to have been blessed personally by Bishop Sansaricq. I join you who are here tonight and those who are personally touched and had the honor of being blessed by having him pour into my life. I can say that in the 1980s, as a student at Sacred Heart Elementary School, at the time, Bishop was our associate priest. As an associate priest, he poured into me and thousands of other students at Sacred Heart. He taught us a firm foundation in Christian morals and values. He taught us about our obligation to the world, to engage in humanitarian efforts, but most of all, he taught us about God's profound love for us. So, you know, I don't really know how Bishop Sansaricq managed to keep up with us as students in elementary school, because we were so full of life and energy. And I think I can fairly say that my graduating class may have something to do with a few of the gray streaks that I didn't care. Today. So on behalf of my class, I apologize. you know, either way, somehow, he found a way to guide us through our holy sacraments and through delivering sermons to us as students with patience, love, and compassion. And because of these lessons, I myself can say that I have had the opportunity to grow in my faith in God as a woman and have compassion as I sit as a judge in family court. So I wasn't surprised to hear about Bishop Sansaricq's work in the Bahamas and the level of legal advocacy he gave to Haitian immigrants in the Bahamas. Because even today, he stands with me and the Haitian American Lawyers Association. He attends our functions, came and participated in our swearing-in ceremony, and allowed the Haitian American Lawyers Association to participate in the planning stages of what will surely be a historic book and documentary, which is to come. Documenting what Haitians have contributed to the United States of America.
in Mark chapter 12 about God's greatest commandments. First is to love the Lord our God with all our hearts. And second is to love your neighbor as you love yourself. Surely, you and I can stand as witnesses and testify that Bishop Sansaricq's life has been a true testament of the fulfillment of God's greatest commandments. Although there is still work to be done, but I can stand firm and say that with all you have done, you have proven that you are a good and faithful servant. And so may God continue to guide, cover, and bless you. We love you. Right now, I would like to call Assemblywoman Mikaya Solage and Legislator Kalye Solage to present a citation to His Excellency. Birthday on behalf of all the New Yorkers throughout New York State. And, you know, when we see in the news what's going on, and I just want to take a moment to sit and pray for the families who were affected today's synagogue shooting that happened in Pittsburgh. Please, let's pray for the family right now. Can we do a Hail Mary? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now at the hour of our death. Amen. Thank you. And so today we celebrate, because right now the world is hectic. We have families being separated at the border. We have our TPS recipients, our fellow brothers and sisters, stressed and worried about their future here in our country. And so today we celebrate because we have an advocate, a man who has always fought by our side, which is you. And so we thank you on behalf of our community, and we want to celebrate your life, celebrate the wonderful years that you have attributed to our community, and congratulate you. So thank you so much, and happy birthday. Nous mêmes sur le peuple haïtien, nous aimons l'école, la caille et l'église. And we were raised in the church. And in 1991, I was very fortunate to receive my first communion at Sacred Heart from the church that you are associated with. And life is full of coincidences. Here we are together here today. And I have to say, as people involved in government, we shape and mold our experience, our passion, based upon what you have done. Yes, in the United States, there's a separation between government and church, but I must say, it was your church that inspired the government that we lead here today. The services that you provide for the Haitian community were phenomenal. What you did for the Haitian community was amazing. You were a transcendent figure who was a generational figure who really helped out all of our community. And so, as government officials, we're looking to serve all those in government. But what you did was amazing by serving to us as an amazing example. Let's give this man a round of applause. Even beyond the church, you have inspired so many people to help their fellow men and women. And it is in your principle, your example of togetherness and the Lord's love that we serve people. And so I would like to thank you for what you've done. And in addition to providing a proclamation on behalf of Nassau County, behalf of the 4 million people we have in Nassau County,
We present this citation to you, Bishop Guy Sansaricq, for all of your wonderful work. But in addition, I come also with a proclamation from the Diocese of Rockville Center, from the Office of Multicultural Diversity, to present to you a plaque for all of your good works. Truly, you are a man of God. And it was my family as well that fled Haiti in the 70s, and you created a new home for many Haitian Americans here. Well, all they wanted to do was to chase the American dream. They wanted to get that same scripture, that same spirituality that they would receive in the churches in Haiti, and you made that possible here. And so this is amazing what you've done, and I really, I'm sorry I couldn't speak as eloquently as Judge Dwayne Paul. She's a wonderful judge. Who's gone forward, Judge Paul? But I am again struck with the sincerity, the humility, his passion and his love for Christ. And I am honored to be here tonight to celebrate with you beautiful people here tonight, this great man. And I would also like to thank the organizing committee, Dr. Dole, Brother Tava. Again, you're an amazing man, what you do. And I have to say, every Sunday when I go to church, when I come back home, there's a lovely email I get that explains today's scripture from Bishop Sansaricq. And I want to thank you because you're using technology to spread the word of the Lord. And that is amazing that you do that. That is phenomenal what you do for our community. So thank you, brother. On behalf of Nassau County, on behalf of the Solage family, and also the 3rd District, and also the Diocese of Rockville Center, we present to you these proclamations and citations. Thank you. God bless you. May God help you. Merci. Mon haïtien, toujours prier. Prier, c'est ce que nous gagnons. Merci beaucoup. Amen.